Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 30 novembre 2017, comme vous le voyez à l'écran. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait l'Adrien là? Regardez. Fedora Workstation, Fedora Startup, Debian Cli, Debian Gui. Mais qu'il est fou, mais qu'il est fou. Pourquoi il lance tous ces machines virtuelles là? Il lance tout ça, mais il n'est pas un peu dingo? Eh ben non, il n'est pas dingo, Adrien. Pourquoi? Eh ben vous regardez, là, ici, on n'a pas beaucoup de mémoire utilisée dans l'affaire, hein. Donc, toutes ces machines virtuelles lancées, ça prend pas beaucoup de mémoire. Et encore, on va essayer de voir si on peut encore grappiller quelques mégaoctets. En effet, je vais lancer une arch Linux, tiens, tant qu'à faire, voilà, CTRL-F, voilà, on n'est pas une, on n'est plus à une machine virtuelle près. Donc, là, j'ai plein de machines virtuelles. Ouf, la machine, elle est un peu surchargée, j'enregistre en plus en vidéo, nickel. Donc, celle-là, elle est chargée, on n'a pas d'interface graphique, c'est dommage. Là, c'est presque chargé, là, c'est chargé, ici, c'est presque chargé, et là, ça charge. Bon. Pourquoi je lance toutes ces machines virtuelles? C'est pour remplir mon système et utiliser beaucoup de mémoire RAM. Pourquoi j'utilise beaucoup de mémoire RAM? Eh bien, c'est pour vous montrer une nouveauté de Calculate Linux qui apparaît. Donc, je vais même lancer ma machine virtuelle de vidéo, là, hop, sur le SSD. C'était quoi? C'était une Fedora. Ok, très bien. Et la vidéo 2, qu'est-ce qu'il y avait dedans aussi? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. La vidéo 3, il y a quoi dedans? Il n'y a rien, peut-être. Il n'y a pas de système. Non. Et donc la vidéo 4, bah si, il y a une calculatrice Linux pour les tutoriels PHP Boost. Voilà, donc on va lancer ça aussi. Voilà. Ça fait plein de machines virtuelles le lancer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi je lance tout ça? Ben vous voyez là, il y a la mémoire qui est utilisée à fond les ballons. Et je vous présente ça, donc je vais lancer Vivaldi en plus. Voilà. Ça, c'était le bruit de Vivaldi qui se lance quand on n'a plus de mémoire. Parce que, il y a 20 heures, donc cette nuit, les équipes de Calculate Linux ont apporté une modification au système, notamment au noyau, permettant l'activation de UKSM, Ultra Kernel Same Page Merging, qui porte bien son nom. C'est une fonctionnalité qui permet de merger, donc de fusionner, les pages mémoire qui sont identiques. Yes! Donc en fait, ça, ici il y a mon nom, super, c'est qu'en fait, il y a ces trois vidéos-là qui ont attiré l'attention des développeurs de Calculate Linux. Et ici, donc je parlais de Calculate Linux avec moins de 100 mégas de RAM, KDE Plasma avec moins de 200 mégas, une distribution live permet-elle, et une distribution installée prennent-elle autant de mémoire RAM. Et donc, il y a un petit moment, ici, ils avaient déjà fait un article, donc il y a 2 ans, où ils avaient essayer d'activer dans le noyau ZSWAP et UKSM. Donc ZSWAP, ça permet de compresser et de zipper hein, les pages mémoire quand on commence à manquer de mémoire. Et UKSM, bah, je viens de vous en parler. Et UKSM avait été désactivé parce que l'expérience n'avait pas été spécialement concluante. Donc je vais revenir à ça, que je vous le mette en dessous dans la vidéo. Et donc ici, voilà. J'ai donc désactivé, hein, vous voyez, 4, 6, kernel, machin, c'est désactivé, la fonctionnalité est désactivée. Si j'ouvre dans un onglet, je me connecte en route, et que je vais dans slash boot, voilà, ls, et que je fais un petit diff-rus de, donc, de ma config calculate Linux d'avant et celle-là, on voit qu'a été rajouté ici config UKSM IS. Voilà. Dans Calculate, donc la config en cours, on a UKSM qui est activé. Et donc, ben, pour vous montrer la fonctionnalité en action, je me suis dit, ben, je vais lancer plusieurs programmes plus ou moins identiques, donc des machines virtuelles Linux. Donc ici, il y a de la Fedora, il y a de la Debian en double exemplaire, pour espérer d'avoir un maximum pour la démo de pages identiques. Une Arch Linux, une je sais plus quoi Linux, et une Calculate Linux. Voilà. Donc là, tout est plus ou moins au repos. On est à 6,83 gigaoctets de RAM utilisé. Je vous remontre, ici UKSM est désactivé. Maintenant, si je fais un petit écho 1 et que j'active donc la fonctionnalité. Chose qui est active par défaut. Moi, je l'ai désactivé au boot
pour faire cette vidéo et vous montrer ça. Et bah, si j'active, vous allez voir, on va passer de 6 Go 83-84, allez hop, ça bouge pas trop, à 82, 81, 80, 78, 77, vous voyez, la mémoire diminue parce que le noyau a regardé les pages qui sont identiques, donc là finalement il n'y en a peut-être pas autant que ça avec VirtualBox, mais voilà, il y a, donc on est passé de 83 à 76, donc on a gagné 50, 60, 70, 80 mégas, donc c'est pas énorme, mais suivant les programmes, ça peut être plus ou moins énorme. Donc là, je vais éteindre ça à l'arrache. Je vais éteindre celle-là à l'arrache aussi, je m'en fous. Bah si, en fait, je vais tout éteindre à l'arrache. Ok. Ok. Merde. Fermé. Ok. Je vais reverrouiller mon affaire, là. Merde, c'est... Moi, j'ai pu... Là, je quitte à l'arrache, et là, je quitte à l'arrache, voilà. Donc, on a vu, bon, c'est pas très concluant. Sur la vidéo, par contre, de monsieur... donc là, je vais remettre 0, par exemple. On va faire le test avec Vivaldi. Donc, j'en suis Vivaldi. Je reviens sur l'article. Brrr. Voilà, donc je vais quand même activer plusieurs onglets. Voilà. Histoire de faire monter un peu la mémoire. Voilà, donc on est à 3 2 giga 38, on va attendre qu'il finisse, 31 qu'il se stabilise, 28, à moins que remettre 0 comme ça, ça désactive pas vraiment la fonction, parce que là ça descend à vue d'œil et je fais rien du tout, donc à mon avis la fonctionnalité s'est mise en route toute seule. On passe de 2,18 à 2,14, bon, on gagne 40 mégas, bon, ça a l'air de fonctionner. C'est pas significatif sur mon système, mais si on lance plusieurs programmes, peut-être que ça peut jouer vraiment beaucoup. Voilà, en tout cas, là, il y a une vidéo qui a été... C'est une démo sur CentOS, qui est un peu vieille, hein, qui date de 2000... merde, le son est à fond, 2012. Mais ici, la personne, elle fait des tests avec plusieurs applications. Voilà, donc elle désactive le KSM. Ici, elle ouvre des PDF. Donc j'avance un peu dans la vidéo. Voilà. Ici, il est à 1795. Il réactive la fonctionnalité. Et là, boum, il gagne 415 mégas. Donc il a fait des essais avec Firefox, avec Flash et compagnie. Et à chaque fois, il gagne plus ou moins de la mémoire. Voilà. Programme Bing Deduplicated. Voilà. Donc il déduplique les pages mémoire. Et donc ça gagne un petit peu de mémoire. Voilà, voilà. Donc cette fonctionnalité, elle a été introduite directement dans Calculate Linux cette nuit pour les versions de test. Et s'il n'y a pas de bug ni de dysfonctionnement, ce sera disponible d'ici un ou deux jours dans Calculate Linux normal. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur cette nouveauté dans Calculate Linux. Je vous mets le lien de l'article de blog, de la news Calculate Linux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!